Bon, là où je vous ai mis, j'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur du PC, je reviens. On est mercredi, ou plutôt maintenant jeudi, parce qu'il est 1h du matin. Je vous prends que maintenant parce que j'ai récupéré, enfin, j'ai été chercher ma commande de bar loupée vers 18h30 sur la personne qui faisait le relais sur Rouen. Donc après, bah, on a mangé et compagnie, et le temps de... En fait, on a passé de quasiment 21h jusqu'à bah, quasiment 1h du matin, donc au total, près de 4h. Où sont mes bouteilles ? Près de 4h à débiter, en faisant mon chaîne m'a beaucoup aidé, j'ai filmé un peu, et pour pouvoir en parler dans une vidéo, parce que les personnes voulaient un retour sur les commandes groupées. Donc pour moi, tout s'est bien passé, mais je ferai une vidéo spéciale. Donc j'ai tourné quelques plans que je profiterai pour vous montrer un petit peu là-dedans. En tout cas... Il y a masse, mais j'ai quand même mal calculé, il me manque pas mal d'abord. J'ai mal calculé mon coût, sachant que Kiosko a encore pris 1 kg de plus. Voilà, donc bah là je nourris les filles et puis je vais aller me coucher. Donc sachant qu'on a mis 4 heures à 2 pour 3 chiens, quand j'aurai Alexis et Lady, on va s'amuser. Mais bon, mieux quand il fera moins chaud, je pourrais faire ça plutôt l'hiver. En tout cas là, le congélateur, je ne pourrais pas mettre les filles en plus. Donc c'est soit faut que je trouve un nouveau congélateur, soit faut que je trouve un autre moyen parce que là je peux pas mettre plus que ce que je mets actuellement et c'est assez compliqué. Voilà. Hello, donc on est jeudi, il est 21h30, je vous prends bien plus tôt qu'hier, vous voyez qu'il fait encore un jour. Je voulais vous montrer juste 2-3 trucs, donc comme d'habitude, hein, le bordel. Donc ça c'est tout ce qu'il faut que je tourne ce week-end pour mes vidéos. Et donc là, je vais donner le barf au loulou, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait reçu hier un peu plus en détail, parce que j'ai pas pu vous montrer davantage. En même temps, sûrement que ça, ça servira aussi pour la vidéo récapitulative. Donc là, pour Kitty par exemple, on a du filet de poule de dinde qui est super clean, avec du foie de lapin et un demi-cœur de dinde, si je me trompe pas. Et dessous il y a du coup de volaille. Avant je n'ai que du gésier, là on a récupéré du cœur. Ça c'est la gamelle de Amaury. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, je pense que j'ai foutu. Donc on a un grand morceau de cou de volaille qui est avec du cartilage, donc pas trop d'os pour que ce soit plus facile à manger. Et ça fait un moment que je voulais tester autre chose que l'os, pas facile à trouver pour des petits chiens. Donc après on a encore une fois le cœur qui est ici, si je me trompe pas. Je crois qu'il y a un bout de cœur. Là on a du foie de lapin et la volaille qui est juste ici. Donc là parce qu'on a reçu deux barf discount. Donc je l'ai nourri et puis on se retrouve après. Enfin, je disais des bêtises, les abats viennent de chez Easy Barf et les autres viandes viennent de chez Barf Discount pour cette fois-ci. Alors, tout à l'heure on est sorti au parc avec Kiki et généralement quand on vient du parc, Kiki a très faim. Il y a les morceaux de dinde qui ne sont pas descendus, les morceaux de cou de dinde qui sont coupés en tout petit. Donc là le morceau qu'elle prend, mon copain doit les couper en tout petit. Donc là j'ai coupé plus en taille croquette, voilà, on lui facilite un petit peu la tâche à mamie. Là elle a pris un cou de dinde, elle vient de se faire avoir, elle a cru que c'était un morceau facile à manger. Un petit peu se faire avoir, c'est pour ça que j'ai dit à mon chéri de pas couper trop petit non plus. Parce que sinon après ils ont sens à l'avaler en pensant que c'est juste de la viande et ça passe pas. J'arrive au mois de seconde. Donc là on va donner à Amaury. Tu veux manger? Tu veux manger? Oui. On donne, il pousse pas. Parce qu'on voit quelque chose, focus. Tu vas voir prendre le coup de dinde, enfin le coup de volaille. Ah oui, toi je te les ai pas non plus coupé trop petit, hein. Faut un petit peu que tu te sers de tes dents quand même, pépère. Hein. Ah non, c'est un bout de cou, pour ça. La cracotte. Et un grand morceau de cou. Je pense que c'est ce qu'on prendra à chaque fois. Et puis la gamelle des nudes. Donc dedans, il y a les croquettes qui sont là. Non, c'est pas du riz à canin. Dedans, c'est le Real Nature au poisson. Dessus, il y a des herbes de chez Terra Canis pour plus facilement digérer. Et en complément, de la pâtée spéciale agneau et lapin. Et voilà. Bientôt c'est le barf, mais il faut que j'achète un nouveau congélateur.
Et sinon, autre information, j'ai reçu le magazine Yumi Pet grâce à la vidéo que j'avais fait sur eux. Ils ont voulu m'offrir le prochain numéro. Donc ça, c'est la petite carte que j'ai reçue en bonus. Et puis ça, c'est le nouveau magazine. Donc on va le découvrir totalement dans une prochaine vidéo. Je vais de nouveau en reparler parce qu'il est encore super intéressant et super beau. Et cette fois-ci, en fait, il y a un chat en couverture. Mais ça ne parle pas que de chat. Et voilà pourquoi aussi je voulais l'avoir. Je l'aurais acheté de toute façon parce que je voulais voir ça. Donc voilà, il est dispo jusque juillet, août, septembre. Mais de toute façon, on en parlera. Et pour le prix, c'est celui-ci. Mais il vaut vraiment le coup parce que il est quand même sacrément épais. Moi, sinon, jusqu'à la dernière minute, ce soir, je me pensais que j'allais pas bosser demain après-midi. Donc j'allais être tranquille pour me reposer avec les loups. Mais j'ai reçu un SMS d'un collègue en me demandant: mais au fait, est-ce que tu bosses demain? Et j'ai dit oui. Mais jusqu'à 17h, pas 18h ce coup-ci. Donc heure sup en plus parce que bah voilà, je veux craquer encore sur des trucs sur Croquetland parce que je veux refaire les soldes et ce sera sur Croquetland parce que là il y a plein de trucs. La première salve qui a eu la première démarque était pas très intéressante, mais chaque semaine ils rajoutent de nouveaux articles à moins 75%. Je vais vous montrer, j'ai quand même repéré pas mal de trucs, donc s'il y a encore du stock d'ici là, il faut que j'ai un peu de sous, sachant qu'il faut que je refasse une commande de barf et qu'on a aussi la moto à entretenir du chéri. Donc voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai repéré. En tout cas, ce week-end, on doit tourner les pâtés de chez Push & Moot qu'on avait eu chez Kleps. On a ici le baume de chez Dermocent qui est planqué je ne sais trop où. On a le magazine Yumi Pet et on a ce jouet en fibre de bambou que ça fait plus d'un an que j'ai acheté, que j'ai toujours pas fait la vidéo. Mais comme il est encore trouvable, on la fera. Donc je suis pas sûre à clairement à 100% de prendre tout parce qu'il y a des trucs qui sont sûrement en rupture de stock, il y a des trucs qu'il faut que j'y réfléchisse. Mais en attendant, j'ai mis dans ma wishlist parce que voilà, 75% de remise, c'est pas négligeable. Même sur un truc, bah en fait, ça me le sort par exemple celui-là à 37€. Mais à la base, le prix, bah je l'aurais pas payé quoi, 150€. Mais je le trouvais très intéressant, c'est pour mettre à l'arrière de ma voiture parce que c'est un. Une caisse de transport qui se divise en deux. Et franchement, je voudrais vraiment pas louper cette occasion. Parce que j'ai des chiens où je peux pas trop les mélanger. Sachant que Kitty est toute petite. Et si les autres la piétinent pendant que je conduis, je peux pas trop intervenir. Donc, ou un Skull qui est trop foufou ou quoi. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Et elle est trop bien. Franchement, pour mettre dans ma voiture, ce serait tip top. Donc, il y avait ça que j'ai repéré. Ce Tipeee. Alors, soit j'arrive à choper le Tipeee qui est chez Action, qui est plus petit et plus facile à ranger. Soit j'en chope un comme ça. Clairement, je ne sais pas où je vais le foutre. Mais depuis le temps que j'ai un Tipeee pour mes chiens. Voilà. Donc, il y a ça que j'ai repéré. Pareil, moins 75%. Une nouvelle laisse parce qu'en fait, la débile que je suis, la laisse, Leslie, celle que tu m'as offert dans le swap, bah, j'ai pas pu la garder parce qu'en fait, elle était défectueuse, elle était cassée, donc faut que j'en rachète une. Et j'avais vendu l'ancienne que j'avais, donc j'ai plus de laisse, donc il faut que j'en rachète une sobre comme ça. Donc pareil, pour pas cher. Celui-là, j'hésite, je sais pas encore si je vais le prendre ou pas, sinon ça sera pour les cochons d'Inde. En même temps, j'aurais pas acheté de truc. Ensuite, il y a ce jouet-là, oui, il est encore dispo, c'est jouet. Ah non! Voilà, et c'est ce que je vous disais, par exemple celui-là il est en rupture. Donc il y a des trucs bah, que je n'aurai peut-être pas quand j'aurai ma paye. Ensuite il y a ça, je voulais tester en même temps pour la chaîne, donc c'est de l'eau de parfum sans alcool pour rongeurs. Donc je voulais voir parce que à ce prix-là, 1,30€ pour tester, ça va, hein, c'est pas. Enfin 1,62€, c'est pas la misère. Ensuite il bah, y a ce jouet-là parce que je suis toujours à fond dans ma collection de jouets en forme de chouette pour mon décor Harry Potter. Ce jouet-là qu'on avait sous une autre forme que Skull avait. Enfin non, c'était Ipso qui avait adoré à l'époque, mais on l'avait plus, donc là on voudrait la reprendre pour Skull. Sachant que la couleur, je crois qu'on n'a pas le choix. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, il y avait ce jouet-là qui m'intéresse aussi. Un jouet un petit peu plus masculin, pareil, d'occupation pour Skull. Pour Kitty, pour interchanger quand elle mange son barf, pour avoir un autre truc pour... quand il y en a un qui est au lavage, parce que là, il y en a un qui est tout crado. Et puis, bah ça, je voudrais en racheter encore un autre modèle, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Vous voyez, la remise, elle est bien sympathique. Donc ça, c'est ce que j'ai repéré pour l'instant. Voilà, je pense que de toute façon, c'est tout ce que j'aurais à vous dire pour ce soir. Là, on va se mettre à jouer au Sims, tout en regardant des vidéos. Et quoi que je vais peut-être balancer d'abord tous ces fichiers-là sur le PC. Voilà, donc je vous dis donc à demain. À demain. Juste une chose, je valide toujours autant ma couverture de survie, qui est vraiment tip-top. J'adore la vue que j'ai d'ici. Mais là, la couverture de survie, pépite. Je suis bien contente de l'avoir testée et approuvée. Même si ça fait pas tout en cas de grosse canicule. Mais pour les temps un peu chauds classiques, ça fait bien le taf. Ça remplace bien des stores. Voilà. Hello, on se retrouve aujourd'hui, donc on est vendredi. Je quitte tout juste le boulot, là je rejoins la voiture, je vais aller chercher Chéri. Et normalement je dois récupérer Lexi en même temps s'il a réussi à l'attraper. Mais on va essayer de lui trouver un nouveau harnais. Venir, elle s'est attrapée par papa. Où est-ce qu'il y a mon bébé? Bah oui, t'as pas encore fait bisous maman. Attends, je te prends 30 secondes. Lexi, mon bisou. Oui, mais il est parti papa. Tu fais un bisou? Mets-moi à ma tête. Mon bébé. Mon bébé. On va aller voir pour les harnais. On va voir si définitivement les curlies ne sont pas faits pour toi ou si finalement ça peut le passer.
On va voir si elle... Apparemment des soldes quand même chez Animalist, donc on va aller regarder ça, moi, mon bébé. Non, sans là, papa est parti chercher une veste de costume avec la carte cadeau de son anniversaire. Maman, elle a mis la veste de costume au lavage et résultat, la veste de costume, elle est morte. Contre-jour, je suis désolée, ouais, comme ça sera mieux. Donc ça y en a été dans les animaleries. Animalist, j'ai filmé un petit peu, mais j'ai pas pensé à vous filmer. En fait, il y avait des petits chiens, mais voilà. Un beau Spitz bicolore, il y avait deux petites miettes. Il y avait un bulldog français qui était bien mignon. Et donc on a pu faire les essais des harnais curly, et donc finalement la taille qui ira à Alexis, ce serait bien la taille M. Donc bah, j'ai pas pris là-bas parce qu'il n'y a pas de promo affichée, donc faut que je regarde où est-ce que je peux en trouver un autre ailleurs. Mais elle pourra avoir un harnais curly. Et puis après on a été à Jardiland et il y avait un spécial. Et d'ailleurs oui, j'ai oublié de filmer aussi, chez Animalist il y avait des furets dans un enclos qui était énorme et super bien imaginé, comme si c'était dans un appart. C'est trop cool. Donc c'est cool quand ils font des initiatives comme celle-ci. Et puis pareil au niveau des chiens, il y avait aussi trois chiens croisés. Alors croisés, cocker, berger australien et je sais plus, mais ça faisait une espèce de labrador cocker, c'était bizarre. Mais voilà, je sais pas si c'est dans le cadre du spécial un peu animaliste adoption, je sais pas, mais voilà, il y avait plein de petits toutous. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai le droit de regarder pour plaisir des yeux. Et pour une fois, les spits c'était moins cher que chez des particuliers. Est quand même assez choqué. Par contre, le bulldog non love à 1005. Ouais. Par contre, le Spitz à 1100. C'est pas pareil. Tu cherches qui ? Tu cherches ton père encore ? Au taquet. Tu regardes quoi ? On se voit plus. Et sinon, j'oubliais, j'arrive pas à mettre la lumière sur moi. Ce week-end, on va se réoccuper du réaménagement. Du réaménagement du bureau un petit peu, je vais changer quelques petits trucs au niveau des cochons d'Inde. Parce que je voudrais récupérer un peu d'espace au sol, parce que si je vais acheter un ou deux dodos de plus pour les chiens, bah, je sais pas où je vais les mettre sinon. En tout cas, même pour les courses, on ne laisse pas tout seul dans la voiture. C'est soit on est à deux, il y en a un qui reste en voiture avec Toutou, soit on fait un drive. Il y a des solutions, maintenant que les drives, vous n'avez plus trop d'excuses, même pour un truc d'urgence. Bon, c'est sûr que drive c'est un peu long parfois, mais il n'y a pas d'excuses, je m'en fous. Outre le fait qu'il fasse chaud aussi, vous pouvez faire voler votre chien dans votre voiture. Moi je peux pas faire voler si chaud. Mon bébé. T'as mis son choupa choups. T'as mis choupa ? T'as mis la tenue choupa choups ? On voit rien. Coucou. Donc il est actuellement 22h. Ah, quasiment 23 en fait. Et j'ai commencé une partie de Sims. Donc oui, me voilà avec Kitty qui descend les escaliers. Qui c'est qui est en bas? Il y a Skull qui est sur le dos, Lexi, et puis les autres, je sais pas où ils sont. Je passe mon temps à remplir leur gamelle. Enfin bref, en tout cas là, je suis en train de jouer à ça dans mes parties de Sims que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer, là, je vais donner à manger au doudou. On a voulu voir Amaury et Lady en Sims. Là, on a Lady et là, on a Momo. Voilà! Donc pour les loulous ce soir, ça va être porc avec coup de volaille à l'intérieur, pâté, fin de la pâté pour les nénuches, et pour Amaury, c'est aussi normalement du porc, si je me suis pas gourée. Non, c'est du poulet. On a du poulet avec le cœur de volaille ici, le coup de volaille ici, du foie de lapin ici, en plein milieu c'est le pareil, un morceau de cou. On a le mix légumes qui est juste là. Et on a du poisson. Alors le poisson c'est en phase d'essai parce que j'en ai donné un tout à l'heure à Amaury. Comment vous dire qu'il pue le poisson? Non, il ne l'a pas mangé, il s'est roulé dessus. Voilà, donc on verra. S'il aime pas ça, bah, je pourrais pas lui en donner. Mais au moins ça ira au moins à Skull qui se régale comme une otarie avec ses bouts de poisson. Thank you.
Hello, on est samedi 13 juillet. Vous avez pu voir pourquoi tout le temps mes coussins ne tiennent pas en place. Enfin bref, aujourd'hui il fait super beau. J'ai réussi à me lever à midi, j'ai réussi à lisser mes cheveux que j'ai détachés parce que toute la semaine ils étaient attachés pour bosser. Et donc, je sais même ce que je veux dire. Ouais, faut que je tourne les vidéos, mais d'abord je voudrais aller, après avoir mangé, aller chez Maxiso pour voir pour un harnais pour Lexi. Je ne tiens plus, il faut qu'elle ait un nouveau harnais. Surtout pour la semaine prochaine pour aller faire la balade avec les autres chihuahuas. Et parce que je dis les autres chihuahuas, parce que Lexi est quand même 50% chihuahua, faut pas l'oublier. Et puis, voilà, je vais m'occuper de ça. En tout cas, je suis contente, j'ai réussi à me lever dès mon premier réveil. Sinon, bah, il y a mes voisins qui déménagent. Je suis triste parce que ces voisins d'en face qu'on avait étaient super cool, super compréhensibles avec les chiens. Leur fils était super fan de nos chiens et tout, ça s'est toujours super bien passé. Donc j'ai un peu peur de ce qu'on va récupérer à la place. Mais bon, projet d'un an et demi, faut que nous aussi on se casse. Faut qu'on y arrive. Sinon pour le poisson, on va y aller plus progressivement parce qu'hier en fait, résultat, Maurice les a pas mangés. En 2 secondes, Lady les a volés et ça y a tellement retourné l'estomac qu'elle a tout vomi son repas. Je vous ai passé les détails mais il y en avait partout. Donc fail pour Momo et pour Kitty, bah par contre j'en ai pas retrouvé dans la gamelle. La gamelle était totalement vide donc voilà, c'est juste qu'au lieu d'en mettre beaucoup, on va y aller progressivement mettant de plus en plus dans la gamelle mais on va pas tout faire d'un coup, j'ai été un peu trop vite. Tout le monde n'est pas une otarinée comme Skull. Donc on est bien allé avec Ciso là. On a trouvé donc le harnais, donc c'est pas un pupia, enfin c'est pas un curly au final, c'est un rainy one, mais qui a la même forme. Donc on est parti se balader pour le tester. Et Monsieur Skull aussi. Monsieur Skull aussi a eu son nouveau harnais. Lui c'est un pupia vert fluo. On va pas le perdre le chien. Bon, il est 21h, mais ça va être tout le monde à la douche. Tiki tik. Donc là, j'ai donné le bain à Maurice. Regardez dans les textes, elle met. T'es fou dingue. T'es con. Et donc là, pendant ce temps-là, après avoir donné la douche à tout le monde, je suis en train de préparer le mix légumes pour le barf. Donc là, ça va être carottes, huile de saumon, huile de pépins de raisin. Même si bientôt l'huile de saumon, bah, ce sera fini. Viens là. Momo. Il est pas très rassuré avec tous les feux d'artifice. Amaury. Qu'est-ce que tu fais? Doudou. Amaury, il est où? Donc voilà, je viens de me taper un méga coup de flip parce que mon chéri a rentré Amaury sans me prévenir alors qu'Amaury est terrorisé par les feux d'artifice et que je voulais le rentrer et que je le trouvais nulle part. Sympa.
Parce que depuis que je l'ai... L'année dernière, Amaury a très très peur des feux d'artifice et je voulais le rentrer, voilà. Enfin bref, au moins il est à l'abri. Et donc ça y est, j'ai fini mon mix légumes. Donc ça c'est pour Skull, ça c'est pour Kitty et celle-ci là c'est pour Amaury. Différentes tailles à peu près. Donc je congèle et comme d'habitude, vaisselle et compagnie. Faut que je lave tout ça. Je sais pas où je vais les mettre. C'est la loose. Je trouve une place, donc il y en a ici avec ce qui est resté avant. Focus. Il y en a là, il y en a là. Et après quand ce sera fait, je mettrai dans cette boîte là. J'en ai là aussi. Et là donc ce soir, je vais sortir la viande. Donc on va sortir le porc. Du porc pour Kitty. Du porc pour Amaury. Pourquoi c'est marqué poulet alors que c'est censé être du porc? Le porc il est là, c'est ça. Et le porc pour Skull. Ah mais non, Skull c'était mouton. Non, ça m'aurait aussi c'était mouton. Ah, je m'embrouille. On a, je disais, le porc pour Kitty. La viande de cerf avec les poissons à décongeler pour Amaury. La viande, normalement, si je me trompe pas, si je me suis pas embrouillée, la viande de cerf pour Skull et tous les petits poissons pour Skull. Donc il va manger tout ça de poisson par jour. Voilà. Bon, désolée pour la qualité, je suis en train de finir avec mon téléphone parce que mon appareil photo est en train de recharger. Mais bonne surprise ce soir, qu'ici la première chose qu'elle mange, c'est son poisson cru. Donc je lui coupe en morceaux pour que ce soit plus simple, qu'elle ne mette pas partout dans le dodo, que ça pue pas le poisson. Mais voilà. En plus, madame est toute propre parce qu'elle a pris sa douche. Mais elle mange son poisson et ça fait plaisir. Par contre, du côté d'Amoré, je ne sais pas ce que ça donne. Tu manges ton poisson, toi, hein ? On a regardé ça tout à l'heure. Un peu de bouffe et monsieur n'a plus peur de rien. Hein, en tout cas, ça se voit quand il est tout mouillé, c'est qu'il a carrément maigri. Et sinon, bon, il reste une tête de poisson. Momo, ta tête de poisson, là. Et sinon, il n'y en a plus. Donc, ils sont en train d'accepter le poisson. Et madame mange tout son poisson et a du mal à manger le reste. Qui l'aurait cru? Bah, il faut manger Kiki. Mais si, elle me puce. Tu vas manger? Amaury, laisse-moi la poubelle. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus tard. Kiki a peut-être un peu de mal à manger, c'est les coups de volaille en vérité. Mais oui, il faut manger Nénette. C'est important. T'as retrouvé ta sveltitude alors que t'avais carrément grossi avec ta stérilisation. Enfin bref, à demain. Je lance mon vernis.